Et salut tout le monde, c'est Jean-Bloc et on se retrouve pour ce 17e épisode du Let's Play d'Uncharted 4. Et cette fois-ci, on va être accompagné d'Elena. Eh oui. Fini Sam, mais on doit aller sauver Sam, donc on va retrouver Sam forcément à un moment donné. Mais ouais, c'est quoi ces statistiques? 10 heures de jeu. Temps passé immobile, 1 heure. Ah ouais, putain. Quand même. Et c'est violent quand même. Et je viens de dire des gros mots, j'espère que ça passera à travers les mailles. ...42% de précision pour le meilleur et le pire. À New Devon, le berceau des fondateurs de Libertalia. Et c'est à cet endroit que Rafe se rend avec ton frère. Le trésor doit se trouver là. Il faut juste qu'on sauve Sam avant qu'il mette la main dessus. Oh! Je veux y aller. J'ai vu un truc briller. Là-haut, je l'ai emprunté à tes petits copains de Shoreline. T'as glissé tout le long depuis là-haut? C'était plus rapide pour te rejoindre. Et maintenant, bah, faut juste trouver un moyen de remonter. Bah là? Nate, tu m'aides à monter sur l'échelle? Bien sûr, tiens. Ça pour mater le... J'ai rien dit. Ne regarde pas sous sa jupe. Ah non, elle a un pantalon. Ils sont en couple. Merci. Vous êtes bien brave. Oui, je sais, mais... D'abord le trésor. Hé hey. Mais un voleur. Alors, ça fait combien de temps que t'es arrivé? Où, sur l'île? Ça fait quelques heures. Et t'as vu la colonie? Je l'ai vu, du ciel. Impressionnant, pour vrai. C'est pas comme si j'avais fait le tour complet. J'étais légèrement occupée à te chercher, si tu veux savoir. Ouais, c'est vrai. Ça va. Petite dispute de couple, là. Oh, oui, deux secondes. Tu veux tout le temps me parler, hein. Alors. Sur cet endroit? Oui. Il m'a parlé d'Henri Avery, de 400 millions, de 12 fondateurs, de centaines de colons. J'oublie peut-être quelque chose d'ailleurs. Non, t'as fait à peu près le tour. J'avais du temps à tuer pendant deux. Tu m'étonnes. Mais. Désolé, mais. Moi, je suis intrigué, pourquoi on devait passer par là? Il peut y avoir un truc. On me permet d'aller par là. Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi? Why? Oh. Je rêve ou c'est un ascenseur? Ça y ressemble en tout cas. Ouais. Franchement, Avery avait recruté les meilleurs ingénieurs de son époque. Ah bah d'accord. Il utilisait pour transporter les ressources sur la rivière. Ouais, ça coule de source. Je sais plus comment on utilise le piolet. Ah oui, contrôle. Ouais. Bon alors, on passe par où? Allons voir ça de plus près. Bon bah. Je dis pourquoi pas. Le problème c'est. Ok. Peut-être que. Perplexe.
Il y a moyen sûrement de grimper par là, non? Je sais pas. Petite courte échelle, un truc comme ça. Tu peux pas faire la courte? Oh, tu brilles. Ah, c'est trop. Trouvons un autre passage. Ah bah ça... Hein. Il doit bien y avoir un moyen. Ouais. Non, pas par là. Merci, Elena. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Tiens, je peux te faire la courte échelle ici. Génial. Merci. Tu pourrais me l'indiquer? Il y a un passage par là-bas. Où? Vois si tu trouves quelque chose d'utile. Ouais. Tu veux pas une caisse? Hé, hey, j'ai trouvé quelque chose. Attends. Non, ça se trouve pas en dessous. Je vais essayer. Merci. C'est justement ce qu'il me fallait. C'est par là qu'il faut le mettre. Mais tu te fous de moi là? T'inquiète, là ça marchera. Non, ça passe pas. Comment ça, ça passe pas? Et ça, c'est quoi? C'est du flan? J'hallucine. Ça marchera pas. Vas-y. Ok, d'accord, je vois. Mais après, voilà, et on la met là. Comme ça, une vie aussi géniale. Crétin. J'avoue que... Ok, je te revois tout de suite. Mais pourquoi? Je vais bien, je crois. Ah non, je vais pas bien. Je vais pas bien, là. Comment ça? Oh! Ah oui, d'accord, je comprends mieux. C'était pour mieux. Hé, hey, viens voir! Je crois que c'est un cul-de-sac. Bah, peut-être que l'ascenseur fonctionne toujours. J'en doute. Il a quand même 300 ans. Il a subi des intempéries. Je sais même pas s'il a jamais... Oh, tiens. Il marche. Andouille. Tu montes? Ouais. Ouais, je sais pas si...
si c'est une bonne idée, mais bon, pourquoi pas. Prochain étage, Rio Home. Le fait que ce truc fonctionne encore, c'est tout simplement incroyable. Ouais, je sais. Pourquoi? Non, c'est pas la poisse, il y a un passage. Hein. Tu sais, je crois que je vais te retrouver là-haut. C'est vrai que c'est dingue qu'il fonctionne encore. Parfait. Il presse des clopes. Hein ? Ouais, elles sont complètement trempées. Ah, merde ! Je me lève, gars ! Empêche-le, j'ai ! Mais elle est là ! Ouais, j'ai pris des balles, le plomb, ça pèse. Bien joué. Waouh, joli coup. Les doigts dans le nez. Et maintenant ? Voilà, où est la voiture ? On la verrait plus facilement en prenant de la hauteur. C'est vrai, bonne idée. C'était pas là qu'il y avait le petit trésor ? Ah si. Je récupère le trésor, t'inquiète, Elena. J'ai envie de dire Yelena en fait. Je sais pas pourquoi. À cause d'un autre truc sûrement. Hein ? Prendre de la hauteur. Par là ? À cette hauteur-là qu'on parlait, on est d'accord. Hop, voilà. Bon, on va enfin faire un peu d'exercice au moins. C'est pas ce que tu fais depuis... depuis je sais pas combien de temps, là. Un peu d'exercice. Ok... Vomis pas, hein. C'est leur voiture. Oh, ouais, c'est... On va leur reprendre. Ah merde. Efficace. Le problème, c'est que... On passe comment ? On tue les gens ? On tue le sniper ? J'ai une petite balle dans la tête, là. Boom, headshot, on n'en parle plus. Ok. Et merde, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Désolé, c'est pas ce que je voulais faire. Elena. Oh merci, j'avais pas d'arme justement. Elena, il y a un mec là.
grimpe? Ah oui, d'accord. C'est bon, je comprends pourquoi ça a bugué. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ouais, et si on roule les plagas? C'est une bonne idée. Adieu. Échapper au laser, je veux bien. Allez, dégage. Elena, tu sers à quoi? Ah, c'est sur les nains que je tiens. Salut, voilà. Je préfère celle-là, moi. M'en voulez pas, hein. J'appuie, en fait, sur... Adios amigos! Ok. Je crois que c'est fini. De Shoreline mérite leur réputation. Filons d'ici avant que les renforts ne soient. Tu vois une sortie? En amont. J'ai repéré un passage près de la cascade. Ok. Waouh, regarde cet ascenseur. Il est énorme, hein? J'imagine que New Devon se trouve là-haut. Ah, sûrement. Alors, il faut qu'on monte. Voilà, doucement. Bon, alors j'ai une question. Pourquoi est-ce que Ray Adler court après ce genre d'affaires? C'est pas comme si elle était déjà dans son... C'est la gloire qu'il court. Il ne veut pas qu'on le voit comme quelqu'un qui voit sa richesse sur son héritage. Laisser tomber ne fait pas partie de ses options. Ray et Charline se sont bien trouvés. Lui, il a besoin de leur muscle et eux, de son argent. Tu crois? Ils ont pourtant l'air d'avoir ce qu'il faut. Shoreline a été impliqué dans quelques guerres civiles qui n'ont pas tourné à son avantage. Nadine a hérité des galères de son père. Elle pense probablement que tout ça va la remettre dans la course. Ah. Attention! Oui! Fais attention! Et je cherche le chemin. Regarde, la route continue de l'autre côté. Il faut qu'on trouve un moyen. Ah! Ah! Ah!
T'as dit faut trouver un moyen. Là. Mauvais plan. Ben voilà. Tu vois, on a trouvé le chemin. Tout ça pour ça. Jusqu'ici ça va. Continue de remonter. Tu sais que tu pourrais écrire un super article sur tout ça. Ça oui, je pourrais. Mais je pense que personne ne me croirait. Tu pourrais aussi prendre un peu. Je peux pas apporter mon temps. Je regrette bien d'ailleurs. Ah ouais? T'as pas un téléphone qui fait photo? À ton avis, pourquoi Sam n'est pas venu te voir directement? J'imagine qu'il voulait récupérer tous les indices que Rafe avait sur Avery avant de racheter. En plus, il lui fallait un peu de temps pour commencer son histoire avec Alcazar. Ah, si seulement j'étais creusé. Par là? Ça a l'air, hein. Ah ouais, regardez. Cet engin est quand même incroyable. Il a l'air assez grand pour y mettre la voiture. J'espère qu'il fonctionne aussi bien que l'autre. Vaut mieux qu'il fonctionne mieux. Facile. Bah oui. Apparemment la roue hydraulique marche toujours. Bon alors, soit on répare ce truc, soit on grimpe. Donc, voyons ce qu'on peut faire. Ok, bon bah on va réparer. Ok. Ça a été trop facile. Il veut toujours monter avec style dans la Jeep. Hein. Ok. Tu penses faire quoi là ? On va bien voir. Tu poses de ces questions. Mais non, je voulais juste l'esquiver, elle. Bon, ça a rien fait du tout. T'as arrêté la roue hydraulique. Vous êtes pas plus que ça. Ok, bon, on va essayer autre chose. Ok, c'était presque intelligent, je reconnais, mais... Ok. Vas-y, go. J'en étais sûr que c'était un truc comme ça, mais bon. T'es pas obligé de remonter, hein, tu vas ressortir juste après. Hein. Bon, par contre, est-ce que je peux sauter avec le grappin? Ouais, ça va, oui. Tu es un seul? Maintenant. Merci. De rien.
Ok. Ah, un petit trésor. Ok. Toujours grimper, 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 grimper. On a vraiment que ça à faire. C'est bien ça. Ok. Ah, il faut pas qu'on se loupe. On s'est pas loupé. Ascenseur pour réparer l'ascenseur. T'as réussi ? Ah oui, t'en doutais ? Attends deux secondes, je vais arrêter la roue. Et voilà, on est prêt. Elle est trop forte. Rappelle-moi pourquoi t'as fait le coin avec elle ? Pratique hein, le système. On a réussi. Nate, l'ascenseur a démarré, dépêche-toi dans tes plans. Ah merde, j'arrive. J'essaye. Mais je fais ce que je peux. Salut. Salut. Putain, la même vanne. Et maintenant ? Bah monte. Ah désolé, là j'ai éternué, c'était vraiment violent. C'était... C'est bon, c'est fini? Attends-moi! Oui, j'avoue, je suis à sec. Pas peine de le dire. Laisse-moi récupérer de la vie. Ok. J'arrête. C'est bon? Je pense que je vais prendre le Rafika. Il y a 60 balles.
Cramp, 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 cramp. Ah, bah, il y en a même là. Avance. Non, pas ça. Putain, non. Nate, l'ascenseur est encore coincé. Ok, je vais voir ce que je peux faire. T'es bien gentil. C'est pas du jeu! Mais oui, mais si je lui sautais, j'écoutais. Pardon? Pas de baldou, moi? Il faut aller à droite. Bordel de merde. Est-ce que ça va, Nate ? Bah ouais. Tu viens ? Non, tu te débrouilles très bien apparemment. Logiquement, on devrait pouvoir monter, ouais, parfait. Ok, y a un petit passage par là. Avec. Bordel. Pourquoi on avait le bon chemin, mais en fait il manque quelque chose. Il y a un truc qui va pas.
indice. Éviter de rouler contre les autres tumultueux. Ah, ok. Oh, tiens bon. Ah bah oui. Voilà, j'ai repris le contrôle. On y est presque. J'aurais pas apporté quelques vêtements de rechange par hasard. Si, si. Super. Ils sont dans l'avion. Pas super. Eh, tu t'attendais à quoi? Ce barrage. Passer par la porte d'écluse. Faudrait pouvoir passer, mais... T'es sérieux là, Nate? Un grand garçon comme toi. C'était l'autre. Ok, j'ai compris. C'est moi le problème. Heureusement que c'est pas notre voiture, parce que sinon elle serait en sale état. Et t'es sérieux là? Mais zéro effort le mec! Tu veux que je grimpe où? Ok. Deck. Voilà pour la première. Jenny. Hey, mauvaise nouvelle, c'est bloqué. Ok, alors je vais essayer l'autre. Voilà, je savais bien qu'on pouvait grimper par là. De l'eau. On dirait que celle-ci est ouverte. Beau travail. Ouais. On y va. C'est bon. Et les gants. Au moins une. Il y a trop de boue. Faut faire un détour. Bah ouais, mais c'est déjà un détour. Non ? C'est pour ça. Regarde ça. Accroche-toi. On a réussi. On dirait que ça te surprend. Bah. En vrai, moi, ça m'a surpris parce que au dernier moment, je me suis pas attendu à faire ça et je suis roulé, quoi. Quelle conduite. Pourquoi tu t'arrêtes? Oh, pour rien. Tiens, je me demande qui vivait là. C'était certainement le type qui gardait l'ascenseur. Tu crois qu'il y avait un type qui gardait l'ascenseur? Je
crois que ces types savaient qu'un gros truc se préparait. Tu m'étonnes. Il y a un passage ? Faudra aller chez Carglass un petit impact de balles là. Jusqu'ici, je dirais 2 sur 2. Ouais, c'est bien le problème, ça veut dire que la chance va tourner. La roue hydraulique fonctionne, ça s'annonce bien. Tu veux bien m'aider ? Ah, merde ! Je vais la tenir. Va chercher la voiture. Allez, muscle-là. Allez ! Ah ! Plus vite ! Sur deck. Ok. Quand faut y aller. Bah ça marche. 3 sur 3. Les talents d'ingénieur de ces pirates sont remarquables. Ouais. Je crains le pire quand même. Waouh. C'est vraiment paradisiaque. Ouais. Libertalia. C'est le paysage à couper le souffle. Ces mercenaires et ces échanges de tirs. Je veux savoir pourquoi t'as changé d'avis. Tu m'as dit que t'avais failli pas revenir. Ben, je pouvais quand même pas tourner les talons en te laissant dans un pétrin pareil. Oh, tout de suite. Puis je sais pas si tu te souviens, mais on a échangé des vœux. Ah merde! Meilleur pour le pire. C'est ça. Pour le meilleur et pour le pire. Ah bah c'est peut-être pour ça alors. Le traquenard, les vœux de mariage. C'est bon. Tiens, tu veux bien me donner un coup de main? J'ai essayé, hein. Je garantis rien. J'arrive. Mais non, regardez moi ces muscles. Dans le but de me protéger. En aucun cas, ça ne donne le droit de me garder à l'écart. Quel que soit le problème, tu es censé m'en parler pour qu'on essaie de trouver une solution. Tous les deux. En équipe. Je sais très bien. Non, vraiment, c'est juste que... Je suis con. Tu peux le dire. Il faut qu'on reste concentré. On reparlera de tout ça plus tard. Eh, hein, elle a la tête, la blonde. Prochain arrêt, New Level. Avec la petite musique mélancolique. Ah, la jolie statue de pirate. Ben ouais, comme quoi, il fallait qu'il dise tout, hein, et elle aurait pu l'aider, comme là. Elle est débrouillarde en plus, hein, Elena, on le sait ça, c'est ça le pire. On le sait qu'elle est débrouillarde. Et Nate, je sais pas. Des fois, tu veux protéger les gens, mais les protéger de quoi? De toi-même? C'est un peu con. Hey, elle est là ? Hey ? Oui. Là, Sully. Où est-ce que t'es ? Toujours en l'air. J'ai vu quelques véhicules de Shoreline qui allaient vers le nord.
On va sûrement pas tarder à les voir. Ah, tous les deux jusque-là? On a eu quelques petits pépins, mais jusqu'ici, on s'en sort bien. Bon, très bien. Tenez-moi au courant, ok? J'ai pas trop le proverbe, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et on fera de notre mieux. Terminé. Ouais, vous avez vu le chargement. La première fois que ça m'arrive. J'ai pas compris. Ok. Ok, bon. Ça devrait être de l'autre côté du pont. Tu vois bien? À quoi? Accroche-toi! Hey, là! Rappelez-vous ces rochers! Compris! Allez! Allez, viens! Non! Et on y croit. Mais qui te tient, toi? Eh ben, tant pis pour la voiture. J'espère qu'ils étaient bien assurés, hein. Allez. C'était pas pour te protéger, tout ça. Mais tu sais, je t'avais fait la promesse que j'allais arrêter ce genre de folie. Tu t'es fait la promesse. Ouais, mais moi, je l'ai pas tenu. Si je t'en ai pas parlé, c'est parce que je crois que j'avais peur. T'avais peur de quoi? D'aimer ça. Peur de te perdre. Ah bon? Merde. Je crois bien que j'essayais de me protéger. Tu comprends? On a encore pas mal de chemin à faire. Faut avancer. Ouais. Par ici. Toujours pas la fin? Oh. C'était la fin du chapitre avec tout ce qu'on a vécu là. Bien, tu vois, c'est court là. T'as pas besoin de courte échelle. Bah, au moins, on est du bon côté de la rivière. C'est sûr. C'est vrai que... C'est vrai que vu ces temps... bon. Regarde, il y a une ouverture là-haut. On peut revenir y passer quelques jours, un de ces quatre. Ouais, pourquoi pas. Ouais. À la dure et tout. Un peu, Nate, c'est que de l'eau. J'ai eu peur pendant 2 secondes, je l'ai vu se faire un saut là, j'ai fait. Bon bah. Allez, pas. Elena? Eh ben, tu prends l'air tout seul? Bah alors, le pirate? T'as encore un truc sur les fondateurs là? Elena, la petite Abigail. Bon, tout pris à moi et les autres, le peu d'or que j'ai offert a désormais disparu derrière le grand rempart de New Devon. Tu m'étonnes. On est d'accord qu'on est toujours sur le même
le meilleur et le pire, ouais, c'est ça. Que ton âme repose en paix, ami pirate. Pirate. Et donc pas par là. Salut. Pourquoi tu veux grimper par là? Apparemment c'est un cul-de-sac. Putain. Je vais par là. Je pense que c'est par là. Hein. Traîne pas, Elena. Oula. À en juger par leurs vêtements, c'est des colons. Est-ce qu'ils se sont battus? Non, j'ai pas l'impression. Regarde comment ils sont disposés. Ils ont été entassés. Ils sont empilés ou simplement poussés contre les murs. Ils étaient déjà morts quand on les a amenés ici. Je crois que c'est une fosse commune. Sympa. Bonjour. Qui ça peut bien être? Un traître. Regarde le panneau. Traître. Et un des rebelles. C'est plutôt atroce comme mort. Mais dissuasif, normalement. Voilà, généralement, c'est dissuasif parce que. À l'époque, tu es zibé comme ça pour montrer que. Le sort que. Tous ceux qui faisaient exactement le même truc avaient. Pouvaient recevoir. Si t'étais un trade, bah. T'allais recevoir le même sort. Désolé, je voulais pas te manquer de respect. Ouais, généralement c'est comme ça. Hein. Donc on avait un pont à l'époque. C'était donc ça le pont. Bah ouais, tu peux regarder. Hein, j'avais dit le cassoulet, il était trop ce midi, mais non. Je mangeais cassoulet. Et j'y vais. Oh bah de toute façon, on continue à pied, on n'a plus de véhicule, hein. Il est dans la... il a explosé. Non, c'est pas... Ah bah, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ce que l'épisode arrive comme ça. La fin arrive comme ça, boum. Mais... calme-toi, calme-toi. En tout cas, c'est ainsi que va s'achever cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à le faire savoir par les moyens habituels, le like, le commentaire, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis nous, on se donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Ciao, bye bye.